Mes amis, là on va changer d'hôtel, je ne peux pas parler fort, parce qu'il y a des gens qui ronflent déjà à côté, pour de vrai, vraiment qui ronflent. Et donc en fait, l'autre jour, vous avez posté des fruits hors de prix au niveau de sur Facebook. Et en fait, j'ai acheté une pomme. Et en fait, j'ai acheté une pomme pour voir, et si les pommes à 10 balles coûtent, enfin, sont meilleures ou pas que les pommes de chez nous à 2 euros le kilo. Ouais, parce qu'elle a coûté 10 balles. Parce que voilà, cette pomme a coûté 10 balles réellement. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est parfaitement bien emballée. Il y a une protection en plastique, elle est encore réemballée. Et surtout, la pomme est énorme en fait. La pomme est énorme. Donc voilà. On va goûter ça. Et, petit emballage, attention, hein, ça ne rigole pas. On aurait presque peur de la manger. Avec un petit scotch encore en plus. Un petit scotch. Alors la pomme a déjà lavé. La pomme a déjà lavé. Elle n'est pas du tout cirée. Comme les pommes par chez nous, quoi. Et ben voilà, on va goûter. Hein. Alors en fait, Florence ne va pas goûter avec moi la pomme, simplement parce qu'elle y est allergique. Donc je ne voudrais pas devoir la ramener à l'hôpital au Japon, sachant que c'est quand même compliqué, sans parler de la langue. J'aurais pas assez d'antihistaminique. Donc, ben voilà. Donc je vais cette vidéo, je la fais seule. Tu veux ma mort, c'est ça? Et non, je ne veux pas ta mort, Florence. Et donc je fais cette vidéo seule et je vais la manger seule comme un égoïste. Sans Florence. En plus, ça a l'air vachement bon, quoi. À la fin, est-ce que ça fout de ma gueule? Parce que je mange une pomme. Alors, par contre, c'est une pomme d'un demi-kilo. Donc, ça va être... J'ai déjà soupé ce soir. Franchement, ça va être chaud pour la manger en entier, quoi. Avec Florence qui rigole à côté, c'est assez drôle. Par contre, la pomme est très bonne, elle n'est pas farineuse du tout. Elle n'est pas farineuse et elle est bien sucrée. Bon, je n'irai pas, jusqu'à dire qu'elle vaut 10 balles quand même. Que j'irai pas, mais elle est vraiment, vraiment très bonne. Ouais, c'est une grosse pomme du Conrad, quoi. Ouais, bah, vraiment gros, très grosse pomme. Hein. Quoi? C'est pour Conrad, tu n'as pas des pommes comme ça. Hein. Voilà, mais je pense que ça suffit. Pour la vidéo, je vais pas vous faire. Je vais pas vous faire toute la vidéo de quand je mange au ralenti là. Parce que c'est pas gagné. Hein. La pomme, elle a beau être très bonne, je commence à arriver au bout, à caler, on va dire. Hein, et je vais mourir, c'est tombé. C'est abusé. T'as même pas mangé la moitié, finis ta pomme. Tu veux un morceau? Mais c'est, je te jure, c'est abusé. C'est une pomme de l'espace, quoi.